Viens, on emballe les oranges. Oh! Elle a pas ta bière. Jesus is Lord! Ce sont des très bons oranges. Quand tu vois sucer, tu vas me chercher dans le ballon. J'espère que c'est bien sucré. Bien sucré. Ah, regarde-moi, c'est sucré comme moi-même. Bien sucré. Merci d'avoir. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. D'accord, merci. Femme deux œufs d'orange. Oui. Tes oranges là sont bien sucrées. Oui, papa, orange bien sucré, caramélisé. Aïe, mite, mite, pas mi. Apporte un peu, je vérifie si c'est bien sucré. Monsieur, vous voulez pour combien? Deux pour... Monsieur, c'est bien sucré. Ah bon? Très sucré. Tu fais des wines. Tu sais que je suis comme ça, on va passer à des ouais. Entre nous. Entrons. J'entre pour faire quoi? Bien sûr que pour acheter tes oranges. Regarde, tu transpires, tu as trop marché au soleil. À l'intérieur, j'ai la fenêtre. Comme ça, tu seras confortablement installé. Pour bien me servir les oranges. Je peux me finir tout ton plateau. Si tu te comportes bien avec moi. Ok, si c'est pour finir tous mes oranges, entrons alors. Pas là, commando. J'aime les enfants qui réfléchissent comme toi. Entrons. Tu habites où? Mais monsieur, vous avez dit que vous voulez les oranges là. Ça a quel rapport avec où je vis? Justement, ma chérie, je dois connaître où tu vis. Un jour, tu fais sortir dans les oranges comme ça, tu te perds. Tu as eu l'aise du moment, et subitement, tu oublies le chevaux. Et puis, on se tamponne. Tu veux te ramener chez toi, non? Tu vis dans le quartier. Monsieur, moi je vends que mes oranges, c'est 300 et à 500, bien sucré. Ma chérie, tu t'as donné un cerveau pour réfléchir, non? 300 va t'amener où? Toi-même, tu vends ça à 300, ça va t'amener. Bon, les gars, ce qu'on va faire, j'achète ceci à 1000 francs. Une orange à 1000 francs. Qu'est-ce que tu en penses? Compte, que tu me donnes le prix. Monsieur, vous êtes sérieux, vous achetez une orange à 1000 francs. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui blague? Ok, monsieur, si vous êtes sérieux, attendez une seconde. Monsieur, ça fait 8000 francs. J'emballe. Non, jeune fille, tu emballes quoi? N'emballe pas. Tu sais, quand la marchandise est beaucoup comme ça, on n'emballe pas ça au salon. Mais monsieur, on n'emballe pas au salon. Pas une question. Tu es une fille intelligente. Je suis sûr que tu sortais premier de la classe. Quand la marchandise est à beaucoup, on n'emballe pas ça au salon. Ma chérie, plutôt. On emballe ça. Au terrain, non, au stade, tu comprends déjà? Ah oui, monsieur, je comprends. Tu es une fille exceptionnelle. Tu me suis très bien. Tu me suis. Allons, allons. Dépose ton papier. Avance, j'arrive. J'avance. La chambre, c'est juste là à côté. J'arrive. Et tu déposes le papier là. Elle va parler encore moi, lui. Ça parle d'un stratège. Je suis trop fou, je suis trop fou. Bon, j'ai là, tu sais, à moi. Tu es déjà là. Oh, là, comment tu... Oh. Je suis là, comment, non? Mais je demande si tu es déjà là, non? Tu es là comment, non? Laisse-moi te laisser au salon. Tu es entré par où? Je suis entré par la fenêtre, non? Jesus! Jesus! Oh, voilà la fenêtre qui est fermée, non? C'est fermé. Et nous sommes au quatrième niveau.
Tu as le sein, tu as grimpé comment pour entrer dans la fenêtre? Sur la fenêtre, non? What's in this? Viens alors là-bas les oranges. Jusqu'à tu te mets à échanger. Jesus. You don't know. Viens, on emballe les oranges. Oh, elle a pas changé. Jesus is Lord. Viens, on emballe les oranges. Tu vois? Oh, capitaine du bord. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Ça va aller. Aujourd'hui, ça a tourné au vinaigre.